Et on est parti. Digito, Pumekingu. Ils se sont mis du bon côté des deux, c'est incroyable, très fier d'eux. Vite à sa bouteille devant. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez, on est parti. Ça va être assez intéressant pour le coup. Joker Digibon, c'est joli à voir. On va voir comment il va se jouer beaucoup, je pense, sur la gestion de la banane de la part de Digit. À quel point il arrive à jouer autour de la banane et même à la choper et à l'utiliser de son côté. Comme il l'a fait à l'instant. De l'autre côté, à quel point Pum arrive à trouver setup, on sait que les deux gros problèmes de Pum avec Diddy Kong, c'est bon, d'une part des sets bien tempestifs, et d'autre part, peut-être une petite difficulté à trouver des kills confirmes. S'il arrive à trouver des kills confirmes, il peut vraiment sortir et être très très fort sur Diddy Kong. Il a des bons inputs, il a des bons combos, il a une très bonne phase. Donc à voir si ça va donner. De l'autre côté, le joker de Diddy qui revient un peu en force. On l'a un peu vu à des tournois en Alsace ce week-end, et ça marche plutôt bien. Très bon backer sur le side B en Rocco. Ok, par contre, on n'arrivera pas à choper ce barrel. Et du coup, le Pum qui peut revenir un peu tranquillement. Le side B pour se foutre au ledge, c'est un peu bizarre, mais c'est passé. Et à nouveau, là, on récupère, on fait dégager Arsène grâce à un nouveau side B. On a la banane en main. On y a un pourcentage où effectivement on peut banane smash. On touche pas la banane, mais on touche le smash, c'est ce qui compte. C'est parti. Première stock prise. Et là, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on joue côté Pum quand on est devant comme ça. Comment est-ce qu'on prend un peu son temps ou la pire rapidement. Et de l'autre côté, comment Digit va réussir à trouver des petites faces. Ce petit ferrin upper était beau, mais visiblement le smash soit ne tait pas trop, soit ne tuait pas. Donc on a pris le grab. On va voir ce que ça va donner cette phase d'edge guard. C'est dommage, Digit, c'est un peu tout seul en edge guard. On a Arsène, heureusement, on a pris que 30% de cette phase. Et on a Arsène, on fait des backers. Hein, on fait des backers parce qu'on a Arsène. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Et ouais, c'est une logique, très beau bait là pour le coup. On a tourné vraiment autour de ce shield sans rien faire et on a backdash up tilt. On a backdash attendu la réaction up tilt, c'est très beau. Et de l'autre côté, par contre, on a pris une bonne phase hein, pendant que je dis ça. Du côté de Digit, ok, le down tilt qui met off stage. On va voir, on réussira pas ici de banane, mais on voit le side qui remet off stage. Toujours la banane en main. Oh, banane backer, let's go! Oula, qu'est-ce qu'on tente? Et banane backer à nouveau! Digit qui se fait avoir deux fois par ce setup. Deuxième fois ça tue, là. Ce match qui pourrait partir à l'avantage de Digito. De Pumpkin, j'ai pardon. De Pumpkin. Et du harcèlement. Oh là là. Ah, c'est vrai qu'il est en forme. Du coup à nous en face de notre race, ça pourrait paraître even sauf qu'il y a une seule d'avance entière côté Pum qui peut vraiment juste gratter petit à petit. Malheureusement on n'aura pas réussi à punir ce donner et du coup on prend une petite phase. Heureusement ouais, le deuxième donner on le punit pas, on prend juste la distance. C'est bien, on apprend. Ok, side B. C'est une double classique, alors je sais pas si c'est intentionnel, mais c'est une double classique d'aller Diddy Kong de Pummel sur side B jusqu'à ce que ça release. Et après on fait un petit grab, un petit up smash, un petit truc parce que l'autre ne s'y attend pas à se faire sortir. Je sais pas si c'est intentionnel ce coup-ci, parce qu'on ne peut pas pousser la fenêtre ou le smash tuer par exemple. Mais voilà, c'est une double classique de Diddy Kong, c'est intéressant. On s'est remis un peu en l'estrap, mais heureusement on s'en sort facilement. Le side B qui touche à nouveau, beaucoup de side B qui touche. Hein. Je sais pas si Digit se laisse un peu avoir ou si, voilà, au contraire, c'est Pum qui s'est bien calmé. Et du coup, ce qu'il fait, bah il touche. Mais en tout cas, j'en ai vu beaucoup et ils ont quasi tous touché, j'en ai aucun surpunir en tout cas. Oh, et ça. Oh, c'était joli ça. On a fait le faire un smash, mais le faire un EP. Mais on sait que ça ne fait pas trop, du coup on a attendu la réaction de Pum. Alors malheureusement la réaction de Pum était un shield, du coup on n'a pas pu choper quelque chose, mais il y a eu une belle attente. Il y a du coup on a 15% côté Digit, on trouve ce premier backer, on a bientôt Arsène. Ce serait bien de tuer Pum avant ce Arsène si on veut être à l'aise. Encore une fois un side qui est shield, du coup on prend le command grab. Command grab sont monstrueux et le counter, on a compris. On a compris côté Digit, c'est bon, ça marchait deux fois, ça peut être suffire maintenant. Ah voilà, et le CD qui est pour la première fois du set fini. Et ça fait du bien parce que là on a Arsène, on a une fresh stock. Voilà ce qu'on trouve, oh, c'est dommage. Par contre c'est dommage que cette down throw ne soit pas trouvée, on évite le CD. On perd bientôt Arsène, mais là on gratte quand même un petit peu. Dommage que Backer n'est pas touché. Ok, le fer. Oh, ça aurait pu se faire Backer ça. C'est quand même Backer, on a plus Arsène heureusement sur cette phase card, ça aurait été dramatique sinon. Mais là Digit qui est revenu totalement even. Alors il a des avantages, il a quand même il a 60% de moins, mais de plus pardon, mais quand même, oh il a, oh, la DI je pense qu'il devait pas être glorieuse, très belle remontée ça dit, ça tue, ok, ouais, bah, ça tue apparemment d'après les joueurs ça tue,
Un peu surpris, j'avoue, que le sabi du ponctu comme ça. Non, non, c'est, d'après les joueurs, ce n'était pas une gagne aux irlandaises. C'est une gagne tout à fait byzantine. Je sais pas pourquoi, mais le joueur voulait faire un pierre-feuille-ciseau. Et on part sur héros côté Guillito. C'est ça qui est très bien aussi avec les tournois, c'est que les gens ils en ont rien à foutre, du coup ça sort des trucs. On part sur héros, y croyez-vous? Oh là là, je pense pas avoir déjà vu le héros de Lilith. Même mon free play ni rien. Merci. T'as pas un truc à me lancer? T'as pas un match à me lancer au passage? Bah juste que je fasse pas trop de retard, mais si c'est là, ok, j'y vais après. J'y vais après si c'est là, ok. Ok. Ok, ok. Allez, on est parti. Donc si ça héros Diddy Kong, y a pas de... y avait pas d'arnaque, hein, vraiment. Alors on commence avec un boule, donc déjà on va se faire plaisir, parce que là la banane est littéralement inutilisable. Enfin, c'est techniquement... Ah remarque, je me pose sans la question de si la banane est au sol. Est-ce qu'elle est comptée un projectile et donc elle est blouse? Ou est-ce qu'il se la prend? En tout cas c'est terrible parce qu'une fois qu'elle est en main, comme ne pas l'utiliser, c'est très dur. Le F-Smash pour aller choper sur sa idée. Petit, okay. Oh, on se booste beaucoup là du côté de Digit. Le prochain hit va faire très très mal. Au secours. Là le côté pomme, la règle c'est de ne pas se faire toucher du tout. Je pense qu'on réussit plutôt bien. Banane, dash attack, fer. Side B qui fout stage, mais ça va, on se fait pas punir pour ça. Ok, le up B, on spot dodge. C'est plus rapide que son précoir, le barrel. Pour le coup, ok. On side B, c'est étonnant. On se fait pas punir, on reset, écoutez, on est pressé, on peut se permettre. Le boom, c'est à nouveau un kick. Un très bon tirage pour Digit. Parce que là une banane, ouais, la banane est dégagée au stage. De toute façon, pour les prochaines secondes, ça va être inutilisable. Okay. Oh, et back air nature sur le jump. Digit a eu beaucoup de jump, c'est vrai, c'est vrai. Encore une fois. Voilà. Et du coup, il prend une sorte de tir de retard. 50% là, vraiment. Mais ça veut dire qu'il devrait tuer du coup, ça tue le Harpoon tout à l'heure. Joker tout à l'heure. Non, ok, non, ouais. PS2 fait que. On ne tuera pas, par contre, là, le back air tue, effectivement. On est parti, oh, nous on tente les arnaques. On a des arnaques et on sait bien finir pour ça, tu as vu. A voir. Le gros problème avec Hero, c'est que je sais pas à quel point Digit a taffé, mais s'il l'a un peu taffé et qu'il a les écrans de base dessus, il peut vraiment arnaquer. Hein. C'est, rien n'est joué là à ce niveau-là. C'est terrible. Ok, très bon. Par contre, Digit Pomme, il a les bonnes bananes, non, il a des bons confirmes. Mais on dirait qu'il a taffé très très bien. Donc il dit, oh par contre, le kaboom, putain. Ça l'a aspiré à 100% après le hit, quoi. Mais bon, heureusement, on trouve une bonne banane sur ce feu. Ouais, c'est dommage, ça, par contre. Ça, je pense qu'il y a un sur un peu de là-dedans. C'est dommage parce qu'il a eu la banane deux fois, mais on n'a pas réussi à confirmer derrière. On a eu le grab. Ok, petit snooze qui ne s'est pas pris. Oh, par contre, on est tout devant Digit, on s'est offert. Heureusement, on n'est pas les personnages où ça pouvait tuer, on a juste un petit donner. Oula, je sais pas ce que. Précise un peu ce qu'il pose. On a. Du coup, on est. Bon, c'est vrai qu'on est revenu à Ivan, mais on est revenu à. Avec une stratégie assez haute de côté. Très bon smash, cela dit. Est-ce qu'on pourrait sur la dernière stock de ce set? Est-ce que Digit pourrait. Pump, pardon, pourrait upset? Alors, on est sur le round robin, hein, mais ça reste quand même. Propre de réussir à le battre. On y va, qui met le papa le Boons à nouveau. Boons qui est jouant quand même parce que ça fait que Tom n'a pas le droit à la banane. Mais dans les faits, qui n'a pas été trop marqué, on voit que voilà, Tom arrive à tourner sans la banane autour de Digit et à lui obéir. Et là on gratte hein, 70% déjà. On entend des petits moves mais du coup on se fait punir. C'est un peu le principe en Rotero, c'est vraiment de jouer en diagonale tranquille parce que tous ses sorts quasiment vont être en ligne droite. Et du coup, Pum a évité beaucoup les sorts et tout. Malheureusement, là par contre, on a pris une phase, on a pris un dégât et on est mort. On a quand même une avance, mais attention, heureusement, on n'a pas pris cette nuée de flamme. La banane qui est récupérée. On a voulu banane smash avec héros. J'aime ça, j'aime ce que je vois.
Est-ce qu'on va... Alors là ma question ouais, c'est comment Digit peut remonter ça? Est-ce qu'il va tenter un vieux toit quoi à la con? Ou est-ce que juste on va pouvoir remonter en neutral tranquille? Bah tiens, un vieux toit quoi, là on en parle. Non, c'est un peu le message qui part, heureusement. Ok, le zoom. Le zoom parce que bah parce que pourquoi pas. Parce que finalement, qu'est-ce qui nous empêche? Oh, et la banane smash qui ne tuera pas. PS2, c'est si grand. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, on est très haut. Le slash pour entier qui était osé, mais on ne savait pas finir pour ça. Non, c'est la fin. C'est la fin sur cette banane. 2-0 pour Pum. Autorité. Ouais, éclaté.